comme il y a vacances dans tête l'État, pas un président et pas un premier ministre, pour nous combler vacances, le réflexe tout le monde, c'est aller dans l'article 149 de la Constitution. Et l'article 149 là, il y a trois alinéas là-dedans. Deux premiers alinéas disent ceci, c'est que les vacances présidentielles, le début de mandat du président, c'est le Conseil des ministres qui, dans les 60 jours, organise de nouvelles élections pour combler le reste mandat président qui n'est pas là. Mais si vacances la fête dans la quatrième année de mandat président, à partir de la quatrième année de mandat, c'est le cas à nous. Ils n'ont pas fait appel au Conseil des ministres encore, ils ont fait appel à l'Assemblée nationale. Et comme nous n'avons pas l'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas la Chambre des députés, nous voulons rester le plus près possible de la Constitution de 1987 en son article 149. Nous dit, en l'absence de l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui disposait encore de 10 élus légitimes. Ce n'est pas des gens qui sont là pour faire régler les affaires courantes. Ce n'est pas des gens qui sont là pour venir de façon conjoncturelle. Mandat a fini jusqu'au 7 janvier, deuxième lundi de janvier 2023. Donc, en nous rapprochant nous, de cette disposition de l'article 149, et c'est dans ce sens-là nous demandé à ce que le Sénat, l'institution sénatoriale désigne un des élus nationaux qui reste comme président provisoire pour nous capable combler le vide qui gagne la tête pays. En ce sens-là, il y a un protocole d'accord politique qui signe entre des forces politiques, dont des forces de l'opposition qui étaient en opposition à M. Jovenel Moïse. Nous mettons-nous d'accord sur un duo pour diriger tête d'État pour combler les vacances là avec le sénateur Lambert comme président provisoire et le premier ministre Ariel Henry qui disposait d'un arrêté du 7-5 juillet qui nommait le premier ministre par le président de la République. Et ça, nous commençons à créer consensus. Ça, c'est position PHTK? Ça, c'est position ou ensemble de partis politiques qui signaient un protocole d'entente et PHTK et allié PHTK, nous signons un protocole d'entente ça à côté de d'autres partis politiques de l'opposition pour nous capables de stabiliser, mettre le pays à son rail de stabilité, pour nous capables de mettre un premier ministre de consensus en la personne du docteur Ariel Henry, deux, un gouvernement de consensus qui va gagner l'ensemble des forces politiques là-dedans, et trois, mettre un CEP de consensus qui pour mener nous vers des élections crédibles et inclusives d'ici à la fin de l'année. Toutes les fois que il y a des conditions de sécurité qui sont assurées dans le pays. Voilà proposition que nous faisons et nous allons à la recherche de consensus. Et si il y a un autre groupe qui a une autre proposition qui est capable de rapprocher le plus possible de la Constitution de 1987, il va être fait. Mais nous-mêmes, en attendant, c'est consensus ça que nous avons cherché autour du docteur Ariel Henry pour nous et d'un président provisoire pour nous capables et assurer stabilité politique dans notre pays. Donc, nous pas dit son proposition, nous pas dit FOC, mais nous pensons que suivant système politique, nous, les pour gagner élection dans le pays, il faut qu'on arrête présidentiel qui convoque le peuple dans ses comices. Constitution la caille nous. Pas prévoir aucun côté que c'est le premier ministre qui va le prendre arrêté pour convoquer le peuple dans ses promesses. Et c'est ça que fait, nous pensons que c'est très maladroit de la part des autorités actuelles qui pensent qu'il n'y a qu'à lancer élection parce que CEP actuel là, qui n'a pas inspiré confiance à l'ensemble de la classe politique, fait un calendrier tête chargée qui n'a pas respecté les normes et les délais d'exécution des opérations électorales. Je pense qu'il n'y a qu'à faire élection comme ça. Nous disons non, parce que pour gagner élection dans le pays, il faut qu'on arrête présidentiel. Et c'est président seulement que la Constitution en bas droit qui pour convoquer le peuple dans ses commises suivant la Constitution 1987. Et pour finir, vous dites que dans la fin d'année, pour être capable d'organiser l'élection, est-ce qu'on pense que le climat et la sécurité qui régnait dans le pays d'Haïti n'a pas de temps pour nous organiser l'élection? Nous disons idéalement, il faut que nous fassions élection à la fin de l'année. Mais nous connaissons aussi
pour faire élection, il faut créer les conditions politiques, à savoir un nouveau gouvernement qui inspire confiance et un CEP qui inspire confiance. Il faut créer les conditions techniques et il faut créer les conditions de sécurité et les conditions de sécurité et aussi les conditions sanitaires. Donc, il y a quatre paramètres pour nous étudier avant de nous dire qu'on va déclencher l'élection dans le pays. La politique, là, nous sommes capables de faire, c'est ça qu'on a fait actuellement, là, on a cherché consensus. Et technique, là, nous sommes capables de faire, c'est nous avons des gens qui élections sont sciences liées, et des moyens pour nous rentrer rapidement dans résoudre problèmes techniques. Mais conditions de sécurité, là, et ça va dépendre de nous. Et nous pensons que l'indispensable que gagne des conditions de sécurité qui pour permettre que l'élection soit faite.